Voilà, on est très heureux de vous retrouver. C'est la deuxième de cette émission Studio Maïcar, Studio Futsal Maïcar Châtelet, dans laquelle on a de nouveau deux invités. L'idée, c'est de se retrouver une fois par mois pour forcément parler de l'actualité. L'actualité récente, c'est le derby qu'on a joué vendredi contre les voisins du Futsal Team Charleroi. Alors avec moi pour en parler, j'ai deux des hommes en vue. Ils ont été nombreux en vue. Pour l'un et l'autre, c'était aussi un match particulier puisqu'on sait qu'ils ont porté les couleurs du Futsal Maïcar Châtelet et du Futsal Team Charleroi par le passé. Alors je vais tout d'abord me tourner vers Marvin. C'était un match forcément très, très particulier pour toi. Après la défaite à Anvers, c'était important de réagir et vous l'avez bien fait. Effectivement, pour moi, c'était important dû au match contre mon ancienne équipe, mais aussi de réagir face à la défaite contre Anvers. Donc, c'était doublement important de faire un résultat contre Charleroi. Tu as senti que l'équipe avait vraiment envie de réagir dès que vous êtes arrivé, par exemple, vendredi. Il y avait vraiment de la concentration. La dernière fois qu'on avait vu Léo, c'était après le match à Celt, il m'avait dit qu'il avait vraiment senti, même dans le cadre, bon, si c'était la même chose, c'était à domicile, mais que tout le monde était vraiment concerné. Vous aviez vraiment à cœur de réussir ce match. Déjà, pendant la semaine, suite à la défaite d'Anvers, on s'est fait une petite réunion entre joueurs dans le vestiaire. On a discuté de nombreuses choses et surtout de la valeur de chacun et de l'importance aussi de chacun dans l'équipe. Et je pense qu'on s'est remotivé beaucoup de la semaine et on a repris les entraînements le lundi à fond la caisse. Et je pense que ça nous a aidé pour commencer le match contre Charleroi. Alors ça fait maintenant 9 points sur 15. On a parlé de match de référence. Est-ce que vous avez besoin d'un match comme ça? Est-ce qu'on peut dire que la saison est lancée maintenant? Je pense que, je ne sais pas si on peut dire un match référence, mais je pense qu'on s'est bien lancé et je pense que ça va servir de leçon à tout le monde ce match pour nous continuer sur cette lancée. Alors, autre acteur en vue du match, c'est Valentin, qu'on a revu avec les bras souvent levés en l'air, 5 buts. Voilà, il y a déjà eu quelques buts depuis le début de la saison. On sait que tu as pas mal galéré pour retrouver le meilleur niveau après une blessure, après de longs mois, de longues semaines de doute. Alors comment tu as vécu ce derby et comment tu te sens aujourd'hui? Franchement, je suis vraiment très fier pour ma part et très fier de l'équipe. Parce que comme Marvin a dit, on a eu une grosse discussion lundi tous ensemble, entre nous les joueurs et entre nous avec le coach et surtout avec Amit. On avait une petite pression par rapport aux dirigeants, par rapport à nous-mêmes aussi. Et je pense qu'on a eu vraiment une bonne réaction vendredi. Et pour ma part, je suis très content et vraiment très fier du match qu'on a fait vendredi. Alors on en a parlé, on n'avait pas vu le vrai visage de Maïcar depuis le début de la saison et on l'a vu vendredi. À part peut-être la première mi-temps contre Asselt et un petit peu en deuxième mi-temps contre Asselt aussi, le reste, la préparation, début de championnat, pour moi, c'était très mauvais. Et le match de vendredi nous a fait vraiment du bien et j'espère qu'il va nous lancer pour finir au moins le premier tour comme on doit le faire. Alors, Dujagol est de retour, 5 buts. Le coup de patte gauche a fait des ravages. C'était important pour toi? Tu as eu des périodes de doute pendant tous ces longs mois où tu as travaillé après ta blessure? J'ai eu quelques mauvaises périodes, beaucoup de périodes négatives et j'ai travaillé beaucoup pour, après, à partir du mois de novembre jusqu'à la préparation, j'ai vraiment galéré pour essayer de revenir à mon niveau. Après la préparation, je n'étais pas encore à mon niveau. Encore au début de saison, ce n'était pas encore top et je pense qu'ici, je commence à retrouver mes meilleures sensations. Alors Marvin, on le sait que tu es arrivé avec un statut plusieurs fois meilleur espoir du futsal belge. Tu es presque dans le jardin parce qu'on sait que tu es originaire de Farciennes. Tu arrives dans une équipe qui a fait de gros transferts. Comment tu te sens dans ce groupe depuis le début de la saison? Je pense que Amit a fait du bon travail concernant les transferts avec Eric. Et je suis très fier d'avoir rejoint cette équipe avec de très grands joueurs. Avec notamment Omar, Léo, Val, moi qui suis arrivé, je suis le jeuneau, je suis le plus jeune encore maintenant, malgré que ça fait déjà quelques saisons que je suis en D1, mais voilà, je suis fier de jouer avec eux et je me sens bien. Et je pense qu'on a une très belle équipe et le coach qui est venu avec nous s'adapte aussi vraiment
un autre style. Tu te sens de plus en plus à l'aise dans ce groupe et sur le terrain, il a fallu le temps aussi un peu de trouver les marques. Oui, bien sûr. Je pense que oui, comment tu joues, il y a toujours un temps d'adaptation. Et voilà, je pense qu'au fur et à mesure des matchs qui avancent, ben, je me sens de mieux en mieux et ça se ressent sur le terrain. Alors, Valentin, on a posé la question quelques minutes à Marvin. La saison est vraiment lancée maintenant. Tu penses que vous aviez besoin d'un match comme celui-là pour dire ça y est, maintenant, on y est? On a fait un très bon match vendredi, mais maintenant, on a un déplacement compliqué à Malte. C'est toujours compliqué là-bas. Puis on reçoit Nordawijk. Je pense qu'après Nordawijk, on pourra dire que si vraiment on a fait un 9 sur 9, là, on pourra dire que notre saison est bien lancée. Deux matchs importants qui arrivent sans Omar. On sait que voilà, c'est un pion important dans l'équipe. Ben, il est suspendu pour 3 matchs. Il a fait son premier match de suspension. C'est différent quand on n'a pas sur le terrain à un moment donné. On doit s'adapter parce qu'il n'y a qu'un mid comme pivot. Donc, quand un mid sort, c'est un autre qui le remplace. Omar, on sait bien qu'il est très important pour l'équipe. À tout moment, il peut faire la différence. On essaie de s'adapter sans lui. On fait pour un mieux et on est impatient de le retrouver pour qu'il puisse faire la différence quand on en a besoin. Alors, je sais aussi que tu as eu un petit coup au moral vendredi. On en a parlé ensemble, parce que je pense qu'il y a une sélection nationale qui est sortie. Et malheureusement, ton nom n'est pas dans la liste. Il fallait être fort, parce qu'il a fallu digérer la déception au moment de monter sur le terrain. C'est vrai, je te le cache pas, Jeff. C'est que vendredi, avant le match, j'ai appris que je n'étais pas repris en équipe nationale. Je pensais l'être parce que j'avais travaillé vraiment pour être bien dans le club, pour pouvoir lancer ma saison et être repris en équipe nationale. Et mon nom n'est pas sorti. Mais encore une fois, je vais pas baisser les bras et je vais faire mon maximum pour un jour être rappelé et j'espère le plus vite possible. L'équipe nationale, tu as déjà fait plusieurs apparitions. Comment ça se passe pour toi prochainement? Ici, j'ai été rappelé et je suis heureux de l'être à nouveau. Et voilà, ici, on va être convoqué pour des entraînements et peut-être un tournoi au mois de décembre. Donc, moi, je continue mon petit chemin en équipe nationale et j'espère que tout se passera bien. C'est prendre de l'expérience aussi, je suppose, quand on joue des matchs contre des autres nations. Mais c'est un futsal un peu différent. Et l'idée, c'est que ça puisse te servir en club pour encore progresser et toujours élever ton niveau. Oui, tout à fait. C'est de l'expérience en plus. C'est de la bouteille pour moi. Et c'est que du bonus pour de jouer des matchs internationaux contre de très bonnes équipes à côté de la Belgique. Donc, c'est le top pour moi. Alors, vendredi, on a retrouvé des tribunes pleines, un VIP plein. Vous avez traîné vos magnifiques nouveaux costumes. Ça fait du bien, je suppose, de vivre cette ambiance. Ça porte aussi à un moment donné. C'est vrai que contre Charleroi, la salle était remplie, la salle VIP était remplie, mais on peut pas dire ça, mais chaque match à domicile, c'est toujours, les dirigeants font vraiment en sorte pour que les joueurs aient une motivation en plus avec le public, et la salle est quasi tout le temps pleine, donc c'était le derby vendredi, mais chaque match à domicile, c'est toujours plein, donc on peut juste remercier Eric qui fait du très bon boulot en dehors des terrains. Et donc maintenant, le plus important, c'est de ne pas croire justement qu'on est arrivé. Tu as parlé du match contre Amal, du match contre Nordawijk. Il faut absolument, c'est quoi? C'est avoir cette faculté de savoir vraiment se remettre en question chaque semaine. Mais on a vraiment un groupe pour pouvoir gagner. On va voir que chaque match va être compliqué, mais on a vraiment un groupe pour pouvoir gagner chaque match. Après, on sait bien que Goy, c'est le grand favori du championnat. Mais vraiment, avec un groupe au complet, et si on joue tous les vendredis comme on a joué vendredi, il ne peut rien nous arriver, je pense. Quand tu regardes les résultats depuis le début de la saison et tu vois un petit peu le classement, là, on ne va pas parler que du futsal Maïkarchaté, on va parler des autres. Voilà, c'est conforme à ce que tu pensais. Bon, Goy qui est là est déjà là. Il n'y a vraiment que eux qui sera l'équipe à battre. Goy, c'est le grand favori comme chaque année, mais enfin, voilà, je suis étonné aussi de Borglone qui réalise un 15 sur 15, je pense. Et je pense qu'ils vont tenir ce rythme un bon bout de temps parce qu'ils ont une très bonne équipe. Peut-être pas avec des grands noms, mais avec des joueurs qui mouillent le maillot, qui se battent pour le club. Et enfin, voilà, le reste, il y a quand même de très bonnes équipes comme Herentals Nordawijk, Anvers qui on a joué la semaine passée, qui est bonne chaque année. Et enfin voilà, c'est à nous aussi de pas s'occuper de ce genre d'équipe et faire notre chemin et faire le max. Alors, dernière question pour Valentin, justement un peu dans la foulée de ce qu'on vient de dire.
vous ferez vraiment quoi? Les comptes à la fin du premier tour. Après, on sait bien que ce qui compte, c'est de toute façon être dans les 8 premiers pour jouer ces playoffs. Comme j'ai dit au début du championnat, nous, on a vraiment l'équipe pour faire un très bon championnat, le plus loin possible, championnat et en coupe. Mais nous, on doit penser vraiment match par match, se concentrer chaque lundi pour jouer le vendredi contre n'importe quelle équipe. On va jouer, on va avancer match par match et puis on verra avant les playoffs comment ça se passera et puis on fera notre maximum pour aller le plus loin possible. Ben voilà, c'était encore un plaisir hein, de recevoir les joueurs. Vous voyez que on met les petits plats dans les grands au futsal Maïcar Châtelet chez notre sponsor et président Eric Simonowski chez Carlo et Fils qui nous accueille dans un magnifique cadre et on sent les joueurs à l'aise et ça fait évidemment plaisir. Après évidemment après une victoire c'est toujours un petit peu plus facile. Mais donc voilà, on vous invite à continuer à suivre le futsal Maïcar Châtelet. Déplacement à Mal vendredi prochain et puis retour dans le chaudron castellinois le vendredi 22 contre Nord. Merci de nous avoir écoutés et je pense qu'on va avoir un petit cadeau en bonus, un petit portrait chinois comme on avait fait la fois dernière. Donc à très bientôt et très heureux d'avoir passé ce moment avec vous. Beau garçon. Trop gentil. La sincérité. La malhonnêteté. La chaleur dans la salle. Le final fort à Murcia. Mes ligaments croisés il y a 3 ans. Dormir. Allez, mon groupe préféré, Supertramp. Eat. Boudin noir, purée, compote. Barcelone. Messi. Neto.